Voici un souvenir de l'ancienne boîte. Putain, la boîte de merde. Putain, la boîte de merde. Merde. Putain, j'en ai marre de cette boîte. Cette boîte, elle est pétée, mais je suis étonné qu'elle tienne encore, tu vois. Ça reste toujours quand même assez dangereux, ces conneries. Ouais, non, ça risque rien. On démonte l'échappement. Du 13 avec rondelle, du 13 sans rondelle, du 13 grippé, du 14, du 16 et du 17. Non, non, c'est pas collé. Non, ça passe pas. Oui. Parce que... je les change. Il s'en fout, faut faire du bruit de toute façon. Pas les couilles. Son lambda. Transmission. Support de boîte, soulager la boîte. 13 plates pour le haut, dessiner un bloc. Voilà, le flector de la boîte. Une plate de 18, j'ai enlevé la vitesse. Et le palier. Il me tombe pas sur la gueule parce qu'il y a encore ça. Voilà, et l'arbre, il peut tomber. Des vis ou quoi? Non, il manque pas de vis. Ikea. On enlève l'arbre. Hop là, c'est du 13. Tringlerie de boîte. Un clips. Ok. Tac. Clac. Tire comme ça. Tringlerie. Qui saute. Maintenant la boîte. Les douilles torse femelle. Voilà. La dernière vis du démarreur. On va casser les couilles. Pour la démonter, qu'est-ce qu'il fallait faire? Démonter cette même d'admission. Ça reste du chemin. Elle est où la petite? Elle est là. Ok, je l'ai mis la clé dessus. Ah! Ah! Voilà, et dans le meilleur des moments, la caméra change de mode. C'est moche. Voilà. Lui faire un tatouage. HS. Alors ça, ça sort comme ça. Ça a l'air joli, hein. Je fais ça. Et ça, je sais plus ça. Et il pleut. Elle est dedans. J'ai vidangé la nouvelle boîte et lui, il était... Elle était dans le coffre de ma 46 en fait. Petite pompe sur une batterie, l'huile de boîte, 4% P18. Dès que ça sort. Ok. Eh ben, c'était pas si long que ça finalement. J'ai rien oublié, j'espère. C'est parti. C'est trop bien. Oh la vache. Et merci à vous tous les amis de me soutenir. En attendant la prochaine sortie drift, abonnez-vous, partagez et à bientôt. Encore un ivrogne au volant.